Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation de mon kit Project Life du mois de décembre. Comme vous le savez, les kits de Project Life, je ne m'en sers pas trop, c'est depuis que je suis abonnée en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. Donc la très jolie carte, les saveurs de l'automne. Donc la boutique de Perrine. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. D'hab. Voilà, alors ça c'est un maxi ours guimauve, ça c'est mon péché mignon plus pendant les fêtes de Noël. Après le problème, bon, ben là ça va parce qu'il n'y en a qu'un, bon, c'est un maxi mais il n'y en a qu'un, parce que si je m'achète des boîtes de guimauve, c'est une catastrophe quoi. Tant que j'ai pas que j'en ai pas là, vous voyez pas, mais jusque là, et ben je n'arrête pas. C'est comme les bonbons, c'est très difficile à s'arrêter. Donc merci Perrine parce que ça tombe à pic. Ensuite, nous avons le petit cadeau du colis. Donc pour le coup, j'en ai eu deux, un très épais et un normal. Voilà. Il reste combien de dodo, préparatifs, quelle joie, instant de bonheur en famille, un moment merveilleux. Novembre, décembre, janvier, février, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est des petites étiquettes idéales pour un December Daily, bien évidemment. Alors, la particularité ce mois-ci, c'est que je n'ai pas regardé la vidéo de présentation, donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois qu'il y a un tampon de la marque Love in the Moon. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est... anciennement Papilia. Voilà, donc nous avons ce joli petit tampon, douce saveur et petit plaisir, saveur d'automne, ma petite tasse, le petit livre, etc. etc. Voilà, nous avons de chez DLS Design des die cuts. Alors, je vais pas vous les ouvrir, mais les couleurs sont absolument magnifiques. C'est rose, c'est bleu, c'est très très joli. Nous avons également de chez Scrap Moussé des embellissements. Oula, les reflets, ce que t'as aimé. Les embellissements en bois, enfin en carton bois. Voilà. Et là, nous avons une jolie petite pochette. En papier cristal, je crois. Et à l'intérieur, nous avons December Story, 10 doubles cartes. Donc, comme ceci. Alors, est-ce qu'elles ne seront pas plutôt en sens portrait? Vous voyez quelque chose, là? On va la regarder deux fois. Hein. Une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre. Ouais, je pense que c'est un format paysage. C'est très très joli. Et là, j'ai envie de vous dire, on a presque un December Daily qui est tout prêt. Hein. Très joli. Et je ne sais pas pourquoi on l'a oublié. Voilà. Et nous avons également en format 3 par 4, donc 7,5 par 10. Oh, c'est trop trop joli. C'est super joli. Ça me plaît énormément.
Et ça me donne très 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 envie de m'en servir. Ouais, c'est super sympa. Ouais, ça mériterait, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme structure rapide et facile, On a largement de quoi faire, hein. J'avais qu'à regarder, ça doit être écrit dessus, non? Je suis en train de compter. 20 doubles cartes, plus un motif, ça doit être celui-là. 20 doubles cartes, et là on a 10 doubles cartes. Allez, je pense que on a une belle base de December Demi, là, quand même. Après, j'ai aussi... Attendez, je vous mets sur pause. Alors, je suis allée chercher parce que... Mais vu que je les ai achetés au compte-gouttes, je ne sais pas si j'ai tout, là. J'avais acheté la collection Dissemblée pour faire mon December Daily au départ, dans ma tête. Et... Je sais pas si je peux mixer un peu les deux ou pas. Si, bon après, je pense qu'en vrai, je sais pas pourquoi je me prends la tête parce que rien qu'avec le kit, avec tous les embellissements et tout. Il y a déjà de quoi faire. Mais vous voyez, je me dis que je peux aussi peut-être me servir quand même de cette collection-là. De les mixer un peu au besoin. Et de faire mon December Daily. Parce que là, en fait, je me dis qu'il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Je vais essayer de faire une petite structure. Bon, après, le problème, si je ne mets pas... Si je mets pas je sais pas ce que je dis. Ce qui va me faire suer, vous imaginez bien déjà, vous avez compris, c'est de devoir sacrifier les versos de mes cartes. Et si je les sacrifie pas, c'est quand même un peu léger. Je ne sais point si je vais réussir. Bon, bah écoutez, voilà de quoi plancher cet après-midi. Hein. Je vais réfléchir à ça avant d'aller chercher ma fille à la gare et d'aller faire le sapin. Voilà, voilà. Surtout que tout est encore genre... coincé dans les divers celliers, caves et compagnie. Donc, ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, affaire à suivre très prochainement, le December Daily. Si je l'attaque, ce sera avec vous en vidéo. Et voilà. Donc, normalement, vous verrez cette vidéo mardi. Donc, ben, soit jeudi, vous avez un December Daily qui commence, soit pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ouais, avec moi, quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Non, vite fait, je suis allée chercher. Alors, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais peut-être que vous allez pouvoir me répondre quand même. Ça, c'est du 10-15. Je suis allée chercher le bloc de papier dissembré que j'avais rangé. J'ai trouvé dans mes affaires de la cartonnette toute prête comme ça, là. Et je m'étais dit que peut-être je pourrais partir là-dessus, en fait. Mais je ne sais pas si je vais avoir du papier qui va me plaire.
Celui-là, pourquoi pas. Mais bon, ça, c'était joli aussi. Celui-là, ça pourrait faire. Voilà. Et faire mes deux couvertures comme ça. Et mettre simplement là trois petits anneaux pour avoir histoire vraiment de faire un December Daily, mais que ce soit pas trop compliqué. Et du coup mes pages journalières je les prendrai sur un format un peu plus grand que ça, mais un peu plus petit que ça, dans mon stock de papier de Noël actions diverses ou variées. Ah, il faut quand même que ce soit un peu un peu. Ouais, bah remarque, après, elle sera collée des deux côtés. Donc, ça fera. Vous voyez, juste une chouille plus petite. Et après, là, mes anneaux. Ouais, ça pourrait le faire, ça. Ce serait pas très compliqué. On n'est que le 3, donc je ne serai pas tant en retard que ça. Si je prépare toute la structure, vraiment toute la structure faite, que j'ai plus qu'à faire un tamponnage par jour, du coup je pourrais faire un tamponnage par jour et voir une photo. Quand j'en ai pas, je laisse que le tamponnage, mais au moins je peux. En principe, en décembre, quel que soit le sujet, on fait une photo par jour, soit du calendrier de l'Avent, soit, enfin, soit d'un truc. Ouais. Et ça me permettrait de me remettre en selle, entre guillemets, et d'avoir un petit December Daily. Et de le finir cette année, ce serait vraiment l'objectif. Et en plus d'utiliser mon kit Project Life, quoi. De pas encore en cumuler un dont je ne me sers pas. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le concept. Bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse du jour. Allez, à bientôt. Bisous, bye bye.